C'est un plaidoyer du haut niveau mené ce 27 août 2022 en faveur de l'amélioration des conditions de vie carcérale des prisonniers du reste tuberculeux de Mbujimayi au Kasaï oriental dans la salle Mpokolo wa Moyo. Une organisation de la Ligue nationale de lutte contre la tuberculose, Pénélope en cycle, la Ligue nationale antilépreuse et tuberculeuse, représentation provinciale avec ses différents partenaires. La situation étant préoccupante à la prison centrale, le gouverneur de province est représenté à cette cérémonie par le vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale par les rapporteurs, même chose pour le chef de la division de santé, représentant du ministre des tutelles. Le conseil provincial de sécurité, la société civile, le cadre des concertations et les partenaires des ONG impliqués dans cette lutte, le maire de Mbujimayi, les bourgmestres de la commune de Lakanchi, ainsi que le médecin chef de programme PNLT. Les agents et fonctionnaires de la division de la santé, tout le monde est debout pour se faire. Célestin Kabanga Matembele, point focal résume le cri d'alarme, les plaidoyers lancés ces jours. Plaidoyer, c'est une façon pour nous d'inviter l'autorité provinciale à s'impliquer dans la lutte. Comme vous êtes rendu compte de vous-même, la LNAK a un partenaire traditionnel qui est le Fonds mondial. Le Fonds mondial donne ce fonds à la LNAK par le biais des cordettes. Et ses partenaires, aux côtés de, il y a bien d'autres, Sanru, Prosani, ainsi de suite, qui sont en train de soutenir la lutte contre la tuberculose. Le chef de l'État, M. le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris des engagements depuis 2018 au niveau des Nations Unies pour contribuer à la lutte contre la tuberculose dans son pays. D'autant plus que la RDC occupe 9e place dans le monde pour ce qui est de la tuberculose, 2e en Afrique. C'est vraiment dangereux. Vous vous rendrez compte avec moi qu'une seule personne tuberculeuse peut infecter 10 à 15 personnes par an. Mais ici, nous avons la situation préoccupante dans la prison centrale de Mbujimayi. L'année passée, nous étions ici, c'était le 11 novembre 2021, pour une séance de plaidoyer. On était là, les cas qui nous avaient été rapportés étaient 23. Aujourd'hui, où nous sommes revenus dans cette salle pour la même cause, en prison de Mbujimayi, nous avons 47 cas de tuberculose. Donc, la propagation de la tuberculose est géométrique. Si on ne tire pas attention, il y aura l'implosion dans la prison et personne ne sera épargné. Une exhortation donnée par le pasteur résume les paroles de Jésus, à savoir « Quand j'étais en prison, vous êtes venus me voir, entrez dans la joie de votre maître ». Vient la note des plaidoyers des organisations de la société civile par l'abbé Pierre Kabamba, président du cadre des concertations. C'est aujourd'hui que nous devons agir et non demain, a-t-il commencé son allocution, adressée aux autorités, hommes et femmes de bonne foi. Cette façon de faire est une contribution de la province du Kasaï oriental dans le processus de l'engagement du gouvernement congolais que le gouvernement congolais prit lors de la réunion d'octobre 2018 à un haut niveau à l'ONU sur la tuberculose et donnerait ainsi le discours au chef de l'État. On donnerait discours à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux assises de rédévabilité en ce qui concerne les avancées significatives en matière de lutte contre la tuberculose. C'est pourquoi c'est aujourd'hui que nous devons agir et non demain. Nous demandons ipso facto à l'autorité budgétaire, donc l'Assemblée provinciale, d'accompagner Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, dans l'option qu'elle va devoir lever dans les heures qui suivent, en allouant une ligne budgétaire conséquente pour un aboutissement heureux de ce projet. Pour terminer, à vous les hommes
les femmes de bonne volonté, honorables députés nationaux, provinciaux, hommes d'affaires, les mandataires des entreprises dans cette salle. Nous pensons que votre présence dans ce cadre n'est pas touristique et nous vous exhortons de souscrire en fonction de vos moyens, car ici chez nous, nos anciens disent Uneabani Ibobele de Mata. Vite, les bons de souscription sont remis aux participants. Ils ont souscrit volontairement et ou remis des contributions pour la lutte. Le tout se passe dans la transparence, dans cette salle de réunion Pokolo à Moyo. Madame Julie Kalinga Kabongo, vice-gouverneur de province. Nous saisissons de cette occasion pour demander à l'Assemblée provinciale, alors, l'autorité budgétaire par l'intermédiaire de l'honorable rapporteur ici présent, de bien vouloir allouer les moyens conséquents à l'effectif provincial pour la matérialisation sans embâche de cet engagement. Nous restons convaincus qu'à l'aube de 2023 et 2030, la République démocratique du Congo aura accompli sa part du contrat dans le processus de lutte contre la tuberculose. Le point focal, Célestin Kabanga se félicite du résultat de cette journée. Nous sommes heureux puisque l'autorité elle-même a pris l'engagement solennel de pouvoir contribuer dans la lutte. L'estimation faite est de 59 000 dollars. Ce n'est pas quand même grand-chose pour la province du Kassai Oriental, gérée par le gouverneur Patrick Mathias Kabedi. L'opportunité que nous avons, le président de l'Assemblée, représenté par son rapporteur, nous a dit, la session qui vient, c'est la session budgétaire. Il nous a dit, voyez l'exécutif, que l'exécutif puisse insérer votre projet dans les budgets. De cette manière-là, nous allons avaliser ça lors de nos réunions par rapport au budget 2023. C'est déjà un pas de géant. Ce pas de géant d'une manière théorique ne suffit pas. Il faut maintenant la pratique. C'est pourquoi Madame la vice-gouverneure, Madame la vice-gouverneure Julie Kalinga, a déclaré tout haut qu'elle va s'impliquer pour que le projet soit inscrit au budget de la province du Kassai Oriental. Nous remercions la société civile, la personne de l'abbé Kabamba Pierre pour le plaidoyer. Nous remercions les ministres représentés par les CD. Nous remercions toute la communauté qui s'est engagée dans la lutte contre la tuberculose. Et je crois au jour meilleur. Je ne peux pas terminer sans remercier la directrice de l'ELENAC au niveau national qui a investi sa confiance en nous pour que nous puissions ensemble, elle et nous, nous attaquer au problème de fond de la tuberculose dans nos sociétés congolaises. Précisons que 59 000 dollars, c'est le fonds global qu'il faut mobiliser pour construire un pavillon devant abriter les prisonniers tuberculeux du Kassai Oriental. La collecte et la souscription continuent pour atteindre ces paris. Excellence, nous sommes